Eh bien, salut tout le monde, c'est quoi cette tournée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo tant attendue de la pire chose sur Call of Duty Infinite Warfare. Alors, en ce qui concerne le gameplay, il s'agit d'un gameplay en match à mort par équipe sur la map terminale, donc on est toujours pendant la bêta, je tiens à le préciser. Et nous sommes avec la NV4 répercussion, donc variante de la NV4 qui permet de réaliser la bombe nucléaire. Je ne vous dis pas si c'est une tentative fail ou une tentative réussie. Je préfère vous regarder un petit peu le suspense. Je pense que dans ce gameplay, j'étais uniquement accompagné de Joachim, si je me souviens bien. Enfin bref, ça change pas grand chose. En ce qui concerne ma classe, pour ceux qui s'intéressent, je joue avec mercenaire, donc l'armure mercenaire avec la compétence pour avoir les munitions au maximum, parce qu'il y avait un bug en fait hier, c'était qu'on pouvait pas encore avoir Pierre. Pierre était là mais il ne fonctionnait pas. Du coup maintenant ma classe a un petit peu changé, je joue mercenaire avec unité soins intensifs, donc pour se régénérer la vie plus rapidement. Et je joue avec tour de passe-passe, fantôme, pillard et isolement, si je me souviens. Oui, voilà, isolement. Pour ceux qui voulaient ma classe, pour la classe à la NV4, il s'agit d'une silencieux, poignée ergonomique, grande capacité. Au moins la classe est donnée et le gameplay est un petit peu présenté. Sans plus attendre, on va passer au plus gros point négatif d'Infinite Warfare. C'est parti. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le plus gros point positif d'Infinite Warfare, je vous invite à aller la voir. Elle est sortie hier. Et désormais, on va passer du plus gros point négatif. Alors, pour moi, sur Infinite Warfare, il y a quand même quelques petites choses qui sont dérangeantes. Mais cette chose-là est vraiment la pire chose du genre. Je sais pas comment ils ont eu l'idée un jour de faire quelque chose comme ça. Ça va être par rapport à la vie. Il faut savoir que sur Infinite Warfare, on tombe très vite. Mais il y a quelque chose qui est très poussé dans Infinite Warfare, c'est les bullshit et les gunfights. Alors, les bullshit de ce jeu, c'est quelque chose d'incomparable. On sait tous manger des bullshit sur BO3, d'accord. Et pourtant, je sais que sur BO3, il y a un problème avec ces fameux atouts robustesse, ce qui fait que tu tires sur un ennemi, il va mettre une balle, son viseur va monter, bam, ça va mettre une tête. D'accord, sur BO3, je peux le comprendre encore. Mais sur Infinite Warfare, avec une vie aussi basse, comment on peut se manger des bullshit? Eh bien, la réponse, elle est très simple, en fait. Il y a les variantes déjà qui entrent en compte, hein. La NV4 répercussion qui est celle que j'utilise, mais même plus des bullshit, c'est même plus autorisé ce qu'elle met, hein. Parfois, tout à l'heure je me souviens, il y a un type qui m'a tiré dessus, j'étais tout rouge, j'ai mis une balle, il est mort. Il y a les variantes qui, comme sur Advanced Warfare, ont un certain avantage. Et puis il y a quelque chose de plus important qui est, bon, il y a la connexion aussi, mais il y a quelque chose d'encore pire que ça, c'est que chaque arme a une utilité spécifique. Je vais vous donner une explication tout de suite. Alors l'exemple est très simple à comprendre. Une mitraillette, son but, c'est de mettre des courtes portées. Donc évidemment, une mitraillette aura l'avantage au corps à corps sur une AR. Une AR, son but, c'est de mettre des longues distances, ce qui fait que une AR n'aura jamais l'avantage sur une mitraillette au corps à corps, mais aura toujours l'avantage sur une mitraillette à longue distance. Sur une Infinite Warfare, en fait, il faut voir la chose comme ça. Une AR se fera tout le temps bullshitter par une SMG. Bullshitter est un verbe qui existe de l'inventer maintenant. Une SMG se fera toujours bullshit par une AR à longue distance. Vous allez me dire, oui, mais ça, ça me semble logique. Depuis n'importe quel Call of Duty, tu peux tirer en premier sur une SMG va toujours tirer sur une AR de loin, elle va le mettre un bullshit. Et une AR peut toujours le mettre un bullshit à une SMG. Une SMG peut toujours mettre un bullshit à une AR au corps à corps. Oui et non. Sur Black Ops 3 par exemple, moi je sais très bien que sur Black Ops 3, la HG40 peut mettre des bullshit de loin. En fait, sur Black Ops 3, la vie est tellement élevée que vous pouvez mettre des bullshit, tandis que là c'est très différent sur Infinite Warfare. On a vraiment la différence entre fusil d'assaut et SMG. Le fusil d'assaut sera uniquement bon de loin et la SMG au corps à corps. Et c'est ça qui est vraiment très problématique, c'est qu'une arme, si vous voulez tenter en fait une nucléaire sur Infinite Warfare, parce qu'en plus vous savez qu'on ne peut pas mettre un nucléaire avec l'arme que vous voulez, vous devez jouer avec la variante qu'on vous donne, vous ne pourrez jamais tenter une nucléaire au fusil d'assaut en ne faisant que du corps à corps. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi quelque chose qui rentre aussi en compte dans le problème du bullshit sur Infinite Warfare, c'est que la régénération de vie est très lente. Vous ne pouvez pas récupérer votre vie au même temps que sur Black Ops 3, BO2, Ghost même. Vous récupérez votre vie en plus ou moins 3,5-4 secondes. J'ai pas les chiffres exacts, je vais pas dire de la merde, mais ça s'approche des 4 secondes, tandis que sur les anciens Call of, on était plus ou moins à 2 secondes et demie. Ce qui fait qu'une fois que vous cumulez le tout, ça devient dégueulasse. Les SMG qui ne sont bonnes que corps à corps, les AR qui ne sont bonnes que de loin, c'est totalement dégueulasse parce que vous ne pouvez pas jouer
sur les maps comme vous le désirez. Et pour moi, à l'heure actuelle, ça c'est le plus gros problème qu'on a sur Infinite Warfare. Vous allez me dire, c'est juste une question de temps, il va falloir s'adapter à changer notre style de jeu, c'est-à-dire qu'une AR jouera de loin, mais une SMG jouera au corps à corps. J'ai envie de vous dire oui et non. Pour deux raisons. La première, il y a des gens qui, comme moi, n'y arriveront pas. Pour la simple bonne raison que, pour moi, avec une AR, j'ai toujours j'ai toujours foncé dans le tas, et je vais pas changer mon style de jeu, c'est-à-dire rester moins proche des ennemis, tout simplement parce que l'AR se fait bullshit. Ça c'est la première raison, et même avec la SMG, j'ai toujours tenté de longue distance. Et il y a une deuxième raison qui paraît évidente. La vie d'Infinite Warfare est trop faible. Tant que les développeurs n'auront pas fait un patch de vie, c'est inutile pour moi de continuer à péter un plomb sur des bullshit, parce que la vie n'est pas assez importante. Alors, je ne dis pas qu'on tombe comme sur Ghost, c'est pas vrai. Pour moi, on a exactement la même vie que sur MW3. Mais c'est très problématique. Et le troisième problème que j'allais complètement oublier, il y a les variantes. Les variantes ont des dégâts qui sont variables, et c'est pour moi aussi quelque chose qui pose un problème. Si vous cumulez variantes, plus pas assez de vie, plus le fait que les armes ont leur propre particularité, c'est quelque chose de problématique. Sans compter qu'on met 4 ou 5 secondes pour récupérer notre vie, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Sur ce, moi je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Zarko. Bye. It's a mad game, makes you stop and stare. Need an assist, can resist. We'll make quite a pair. We'll slide on in.